Une victoire judiciaire pour Silvio Berlusconi et ses partisans, à l'image de cette femme venue le féliciter jusqu'à sa voiture. L'ex-président du Conseil italien a été acquitté en appel à Milan d'une première condamnation à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir dans l'affaire Ruby Gate. C'est un arrêt qui va au-delà de nos attentes les plus optimistes, a réagi l'un de ses avocats. Sur l'abus de pouvoir, les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas de délit, faute de preuves. Berlusconi était accusé d'avoir obtenu la libération de la jeune femme quand elle fut détenue dans un commissariat de police pour des accusations de vol. Sur la prostitution, les juges ont souligné que les faits reprochés ne constituaient pas un délit. Selon l'avocat Il Cavaliere, la justice aurait entendu la défense de Silvio Berlusconi, qui a toujours affirmé ignorer l'âge de Karima El Maghroub, dite Ruby, âgée de 17 ans au moment des faits. Silvio Berlusconi est par ailleurs au cœur d'une enquête pour corruption de témoins, toujours dans le procès Ruby, et il est également en cours de jugement pour corruption de sénateurs.